Yo, salut mes sopes! Aujourd'hui, on va jouer avec mon Bronco à Bromont. Je vais rouler dans la piste impossible. Si jamais il commence à avoir trop d'eau, je vais enlever mon Bronco. Puis, si jamais mon Bronco tombe, ben, mon petit frère Charles va aller le chercher. Parce que moi, j'ai flemme. Hein. Alors, ça va commencer. Il aime pas le long de bord. Allez, il y a beaucoup de branches, ça. Je pense que Charles va aller le chercher peut-être au moins une fois. Je crois ça. Allez, likez si vous pensez que Charles va aller le chercher au moins une fois. Juste pour la plupart, je crois que vous avez aimé mes vidéos avec Émile. Donc, inquiétez-vous pas, Émile va bientôt revenir dans mes vidéos. Comme vous le savez, je n'ai publié pas mal beaucoup depuis quelques jours. Donc, Émile va certainement revenir dans mes vidéos aussi. J'ai promis à des gens que j'allais faire une vidéo comment jouer dans NHL Freeze. Inquiétez-vous pas, ça aussi, je vais attendre que Émile revienne pour faire la vidéo. Ah, donc, pour le moment, ça va pas mal bien. Il reste encore jusqu'à là-bas. Ça va good. Ish, l'obstacle ultime. Ah, il y a bien pensé ça. Pour la plupart, ça se peut que dans une de mes vidéos futures. Oh, là, il est pris. Dans une de mes vidéos futures, je vais avoir. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, c'est mon petit frère qui s'en est sauvé. En attendant, je vais vous parler. Dans une de mes vidéos futures, ça se peut que j'aille le Traxxas Ford écrit Fox sur le côté. Lui, il est bien plus gros. Puis ça se peut que je l'aille. Ça se peut que je ne l'aille pas. Hey, Charles, tu me laisses ta piste, là? Oui. Ah, on a un petit problème technique avec mon petit frère. Hein. Attends, fais juste que ça. Donc, merci à Guillaume de filmer courageusement. Guillaume Gaudreau de filmer cette vidéo. Aussi, merci à Émile pour l'inspiration avec les Broncos. Ah, parce que j'avais plus d'idées pour les. Voilà, bon, voilà. C'est quoi son cri à lui? C'est quoi le cri à ton cac? C'est ça. Il est allé plus vite. Il est plus gros, évidemment. Puis, il dérape un peu plus. Pour ceux qui connaissent pas le terme déraper, il y a une voix dans l'eau. Allez dans le dictionnaire pour savoir ça veut dire quoi. Même si c'est pas dans le dictionnaire. Hein. Il y a un petit tournet que tu vois à côté. Capable. Un petit bug avec mes roues, je sais pas si vous avez vu. Un petit filon. Parfait. Donc, j'arrive à la fin. Je vais pas aller dans la grosse plaque parce que je trouve que mon Bronco il est déjà assez allé dans l'eau. Donc, si vous êtes capable de repérer puis vous avez un track 6, un 10, vous pouvez certainement venir rouler le reste. Mais moi, je vais pas le faire aujourd'hui parce que, c'est parce qu'il faut qu'on pense aussi à laver et le sécher après. Donc, bonne journée puis on se voit dans la prochaine vidéo!